Coucou tout le monde, comment vous allez? Comment ça va? Alors, je commence plus tôt que ce qui était prévu, mais de base, je devais commencer encore plus tôt. Aujourd'hui, je devais commencer vers 19h, mais j'ai dû aller chez le veto avec Loulou. Donc voilà, mais du coup, j'ai toujours pas pu aller au champ parce que je suis toujours malade comme un chien. Donc voilà, malheureusement, je peux pas forcer trop la voix. Donc voilà, je devais faire plus tôt, mais j'ai dû aller chez le veto à la place. Mais bon, on va ouvrir les cases 12 des calendriers aujourd'hui, du coup. Et je suis pressée parce que celui-là, ça va être les petites cases du dessous, et je suis trop pressée. Donc bah, de toute façon, je vais commencer, hein. Faut pas attendre 30 ans. Ça va dans l'ordre. 13, 12. Ok. Je sais pas si je sais vous montrer. Ça ressemble à ça en dessous, en fait. C'est un petit tiroir avec des petites pochettes. Le problème, c'est que les chiffres, ils tendent à se barrer, donc il faut faire attention. Donc on a le numéro 12. Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas pourquoi j'ai vu le truc, j'ai pensé à un piercing alors que pas du tout. Encore? Non mais là ça devient lourd quoi. Attendez, je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire. Pardon, j'ai tapé dans le... En gros, tout ce que j'ai depuis le début, je les mets là-dedans. Et... Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire quand je dis que ça devient lourd. Parce que, peut-être que vous... Oh, mince, chaussettes. Hop. Ça, les chaussettes, je les garde. Oh. Je vais mettre une lumière. Ça va être long. À tout moment, je prends 30 ans. Mais il faut que je vous montre ce que je veux dire. Parce que, je veux bien être sympa, mais il y a quand même des limites à réutiliser le truc à chaque fois, quoi. Je vais le retrouver, je vous jure. Bon, ben, je retrouve pas exactement ce que je voulais montrer. Génial. Mais je vais vous expliquer en gros ce que je voulais dire. En gros, on a eu ça. Mais on a aussi eu ça avec les mêmes illustrations. Ensuite, on a eu ça. Avec encore les mêmes illustrations. Ensuite, on a eu le hibou avec la même illustration pour le tampon encreur. Maintenant, on a ça. Enfin, je veux bien, c'est mignon, mais à un moment, tu peux pas mettre ça partout, quoi. Enfin, c'est chou, hein. Je dis pas, c'est vraiment chou, la petite lettre comme ça, mais une fois, c'est assez, quoi. À un moment donné, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et encore, je vous montre pas ceux qui ressemblent encore à celui-là, hein. Il y en a plusieurs qui lui ressemblent.
Franchement, c'est mignon, mais c'est lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas? Ok, c'est au moins très mignon. Pour le coup, il y a ça dedans. Mais vraiment, l'illustration, faut changer, quoi. Ça, c'est... Après, encore une fois, c'est peut-être juste moi qui suis casse-bonbon, mais voilà, si je vous avoue que si on a ça dans toutes les cases comme ça va être chiant. je vais pas vous mentir. Il y a tout, hein. Ouais. Hop. Ensuite, chocolat. On est déjà le 12, en fait, je viens de penser. Enfin, non, on est le 11, mais j'ouvre déjà les cases 12. Ça passe vite. Noir, praliné, biscuit. Ok. Bah, très bon, on sent bien le goût du biscuit. Franchement, il était très bon. Ensuite, celui-ci. Je tombe direct sur les cases presque à chaque fois. On l'ouvre comment celle-là? J'ai rien pour l'ouvrir. Ah, si, ici, ce côté-là. Oh! Aïe! Ça fait super mal. Faire avec un bic, ça ferait moins mal. Il veut pas sortir. C'est les aléas de faire ça en live. Attendez, ça veut bien sortir un jour là. Vais péter mon bic, hein. C'est pas une blague. La vache. Est tenace, hein. Ah, lui, on lui a dit qu'il fallait pas sortir, il veut pas. C'est bon. Je l'ai eu. Ok. C'est un petit pin's, tout mignon. Je l'aime bien. Il est chou. Ça change de d'habitude ce qu'il y a dedans, donc franchement, c'est cool. Ensuite, celui-ci, où il y a souvent la même illustration aussi, d'ailleurs, au passage. J'espère qu'ils vont pas faire le même coup. Vous allez là. Ok. Bouge pas. Ok, ouais, bah c'est mignon. Moi, bon, j'en utilise pas. Mais enfin, c'est vrai que la journée, quand je fais une petite sieste, ça arrive.
Je pourrais clairement les utiliser au lieu de mettre mon doudou sur mes yeux. Mais franchement, j'aime bien la petite illustration, c'est mignon. Franchement, j'aime bien, ouais. C'est pas mal. Ensuite, le calendrier qui, pour le moment, nous fait jamais plaisir. Bon, je suis peut-être méchante, mais c'est un peu la vérité. Qu'on va clairement avoir la même chose, j'ai l'impression. Je suis désolée, mais c'est du vol. Non, c'est pas du vol parce que c'est ciné-réplicas, mais clairement, voilà quoi. Qu'ils mettent au moins ça dans une autre case. Ils sont décevants. C'est sûr que c'est pas la même matière ni rien. Enfin, celui-là est moins bien. Et même niveau de l'illustration, c'est pas. J'aurais pu mettre vraiment un truc qui colle à Stranger Things. Là, clairement, juste truc pizza. Ouais, ça, c'est dans Stranger Things, mais c'est pas pour ça que c'est le meilleur truc, quoi. On aurait pu avoir une élue de dingue. Non, je préfère celui Harry Potter, clairement. Qui sait, peut-être que dans celui-là aussi, on verra. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Non, la taille, à mon avis, non. Ok. Ça, à mon avis, ça devait être dans un autre. On a un petit logo Onedux. Mais à mon avis, ça devait être dans un autre. Bon, tant pis. Et on a un mètre pour aujourd'hui. Celui-là, c'était pour aujourd'hui. Il était bien mis dedans. C'est hyper pratique. Je pense que c'est hyper pratique à avoir. C'est pas mal. Ouais, je trouve ça cool. Franchement, c'est super cool. Et le Honey Dogs, à mon avis, ça devait pas être là pour aujourd'hui. Mais bon. Tant pis. C'est un plus. Mais ça veut dire qu'un autre jour, on n'aura peut-être rien. Ensuite, celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai encore tapé dans le micro. Je suis désolée. Je sais pas si vous entendez quand je tape dedans, du coup. Ok. Il est mignon. Il est chou. Franchement mignon. Ensuite, le Harry Potter. Oh, incroyable. Oh mon Dieu, elle est incroyable. Si je me trompe pas, c'est le Magyar à pointe. Il est génial. Franchement, je crois que de tous, c'est mon préféré pour le moment. Oh, trop beau. Franchement, je le kiffe. Clairement, là, c'est mon préféré. Ensuite, le Minecraft.
Ok, nice. Bah, vous pouvez pas avoir tous les jours des trucs incroyables, du coup. On a des petits. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les nénuphars. Des petits nénuphars. À coller. Oh, écoutez. On est déjà, je suis quand même déjà assez surprise du calendrier, donc franchement c'est pas ça qui me déçoit le plus. Quand je vois ceux de Ciné Replicas, franchement c'est pas ça qui me déçoit le plus, donc disons que ça va. Ensuite, les chocolats de Cologne. Chocolat et massepain, encore une fois. De plus en plus par deux. Sauf que quand c'est du massepain, mon copain, il n'aime pas non plus. Je vais voir si c'est du massepain. Si c'est du massepain, je vais pas le manger parce que je trouve qu'ils ont tous le même goût depuis le début. Oui, mais c'est du massepain avec du chocolat dedans, donc je vais quand même tester. Plus exactement du massepain avec de la liqueur dedans. Non. Suis vraiment pas fan. Enfin, ça reste le meilleur massepain que j'ai goûté de ma vie, hein, mais j'aime pas le massepain à la base, donc voilà. Et ensuite, le calendrier de chez Tony's. Ok, il n'y a pas de chocolat. Ils disent que je dois scanner le QR code pour savoir pourquoi il n'y a pas de chocolat. On va regarder ça, hein. Ah, c'est parce qu'hier j'en ai eu deux. Ok. Ben, juste, ils en ont mis deux hier et aujourd'hui, il n'y en a qu'un. En bref. Du coup, ben, on finit sur une déception parce que j'ai deux chocolats que je ne mange pas. C'est génial. Enfin, bon, je vais vous laisser du coup sur ça, sur ce gros blanc. Où je lisais du coup pour Tenise. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain.